Alors, eh ben, amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Eh ben, voilà, donc on va faire une petite souris. Donc, le titre, bien comme vous avez lu, cinquième rappel. Alors, pourquoi cinquième rappel? Parce que c'est un texte de Vald, de son prénom, c'est Vald Sullivan. Voilà, et je voulais lui faire un gros big up parce que moi j'ai un enfant de 18 ans. Enfin, l'enfant maintenant il est adulte, hein, mais bon. Mais depuis longtemps il écoute Vald, il a été le voir en concert. Et en fait, bah pour moi, Vald c'est le cinquième élément. Donc, et sa chanson s'appelle Rappel. Donc le cinquième élément, Vald. Et en fait, cette chanson, elle avait fait, tu sais combien? 23 millions de vues. Et il a 670 millions de vues sur sa chaîne YouYou, Vald. Donc il fait pas dans la dentelle. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le cinquième élément. D'ailleurs, pour moi, c'est un extraterrestre. Voilà. Donc on attend tous les extraterrestres. Et ben, dans le taco, je vais vous parler de deux autres extraterrestres. D'ailleurs, je peux en parler aussi tout de suite, vite fait, d'un seul. Allez voir une vidéo. Félix et sa poule voyagent sans argent ni contrainte. Félix et sa poule voyagent sans argent ni contrainte. Et lui aussi, c'est un extraterrestre. Et ça va avec cette chanson de Vald. Voilà. Et dans le taco, je vous parlerai d'une troisième. C'est une fille qui a 16 ans et qui est aussi extraterrestre. Voilà. Voilà, donc je remercie Vald parce que bah, mon fils, grâce à Vald et beaucoup de jeunes, vous imaginez, 23 millions rien que sur ce titre, rappel, allez l'écouter si vous voulez. Bah, il réveille les jeunes, hein, croyez-moi, quand même, heureusement qu'il est là. Voilà, lui et d'autres rappeurs aussi. Voilà, il n'y a pas que lui, mais lui, c'est un bon. Cinquième élément. Voilà, on y va. Alors, je commence. Voilà. Et tu sais, ce monde est cruel, ce monde est cruel, ce monde est cruel. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis Crips et finalement Blood. Qu'est-ce que ce monde est bruel? Ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça, j'ai tout dit. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. Pas manger, ça fait mourir. Je suis habitué au chauffage. Tes besoins vitaux sont payants. T'as compris la prise d'otage? Depuis tout petit dans la merde. Tu sais qu'il faudra mailler. Mailler, pour ceux qui ne savent pas, c'est travailler. Au moins un peu pour loyer. Au moins un peu pour grailler. Grailler, tout le monde sait ce que c'est. Au moins un peu pour loyer, un peu pour grailler. Depuis tout petit, dans la merde, on t'apprend à travailler. Personne va te ravitailler à l'œil. Personne va s'apitoyer, ma gueule. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. Et je peux développer encore. Je le fais sans aucun effort. Pour travailler, donc pour manger, on te prend à 3 ans et on te lâche à 25. Tes meilleures années. Si tu pars avant, tu démarres au bas de la pyramide. Et si tu fermes ta gueule, tu fais les pires des tâches. Tu gravis les étages au ralenti. Tu tapines en stage. T'es sous-payé et on t'oblige à sourire. Merci. Car c'est une chance, merci, d'être là avec tes vieux diplômes. Hein? Hein? Bon, parlons des diplômes. Oh non, personne n'est sûr, mais fais-le quand même pour la sécurité. De l'emploi, ça c'est moi qui le rajoute. D'ailleurs, toute ta vie, pense à sécuriser, même si ta masse ne dépense pas. On ne sait pas ce qui peut arriver, hein? Tu peux mourir, c'est vrai. Mais si ce n'est pas le cas, tu peux souffrir du manque, être interdit par ta banque. Et ça fait peur, et ça fait peur. Ouais, les banques, ça fait peur. Ouais, les banques, ça fait peur. Des banques privées s'enrichissent, des pays s'endettent, de tout petits groupes très riches face au reste du monde. Face au bétail, face à la masse de salariés sans tête. N'oublie jamais qui gagne quoi lorsque tu taffes. Si ça te fâche et que tu veux plus, n'oublie jamais que tu manges plus. Ça ressemble à un choix. What's like on a choice? Excusez-moi pour l'anglais. Si c'est pas l'esclavage, c'est quand même pas vraiment très humaniste. J'emploie des mots à me faire sucer la bip. Ce monde est cruel, ce monde. Comment se faire des amis? Ce monde est cruel, comme tenir sa raclée. Déjà, raclée, c'est sa femme. Déjà, faut passer les tests. Je sais qu'en le rap, je referai partie des 95% des garçons qui n'ont qu'une ou deux filles dans leur vie. Bah, ça fait pas beaucoup, hein, une ou deux filles dans leur vie. Parce qu'ils sont pas très beaux, parce qu'ils sont pas très riches. Ça, c'est ce qui est triste. Arrêtez de rêver au prince charmant, mesdames. Alors, et même pas vraiment drôle, et pas très invisible, je ferai généraliser, pas franchement, les meufs sont redues, très dures.
Le gentil garçon que j'étais s'en souvient dans son lit. J'ai douté de tout, merde. À m'en couper le cou. J'étais sûr d'être le blême. La preuve en est. Je me suis amélioré et c'est maintenant qu'on m'aime. C'est pas des lois. J'ai dit deviens génial, deviens spécial. Ah ouais, dans le pire du pire, tu pourras trouver quelques fétichistes. Ce monde est cruel, il te reste le cynisme. Tu ne fais pas dans l'amour, enfoiré. On t'éduque à la honte, on t'éduque à la haine. On s'habitue à tout. On t'apprend qu'être ami se mérite. Qu'est-ce qu'il y a bien longtemps de ça? Deux êtres alliés sont venus pour nous créer. Qu'on les a déçus, qu'ils nous ont maudits comme le peuple élu. Hein. Qu'au moindre péché, t'es bon pour l'enfer. Une éternité de flammes et tortures. Fais doucement le sexe, fais doucement le rap et trie tes ordures. Et il faut qu'on sauve la planète parce que c'est sûr, c'est ta faute. T'aimas ton pot d'échappement et maton déodorant. Tu mets le carton dans la verte. La pollution, c'est la faute. Le réchauffement, c'est la chatte à ta mère. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. Et culpabilisant, ce monde est cruel et abrutissant. J'ai le vocabulaire, on me donne pas les armes pour avoir la magouille. On me donne Chalgoumi et Vincent McDoom. Même Sylvain Durif, du divertissement pour tous les profits, que tout le monde s'amuse. Toute l'info à son contraire. Personne ne veut qui t'y voit clair. T'es du complot ou du père, hein? Toute info à son contraire. Personne ne veut que t'y voit clair. T'es du complot ou t'es du père? Du père, ça veut dire perdu. T'es perdu, il y a beaucoup de perdus. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. J'ai tellement de chance à côté des autres. Je trouve ça tellement cruel. Hein. Comment ça, Dieu donnerait de la chance, du talent à certains et pas à d'autres? Ça me rend parano. Tu sais plus si je suis entraîné, si tout ça, je le mérite, si l'univers était avec moi ou si ça fait 10 ans que je me bats avec Mercus, Cuisson, Blake, avec tous ceux qu'on rejoint le navire à l'occasion et que ça fait seulement quelques mois qu'on brasse. En fait, je sais pas comment ça se passe en vrai. Je sais pas qui maintient le cap, si ça vient de moi, si ça vient de là. Ce monde est cruel, ce monde est cruel. Faut changer les choses. Ce monde est cruel, ça c'est sûr qu'il y a d'autres. Je remercie les anges, je remercie les autres. Hein. J'aimerais que les miens remercient les vôtres. Ce monde est cruel. Je rallume un ouinge. Waouh, hey, ouais, hey. C'est bon, c'est fini. Et comme je suis bleu, blanc, rouge, je suis creep, c'est finalement blaude. Fait que ce monde est bruel. Eh ben, c'est un peu long, mais comprendra qui pourra comprendre. Mais je peux vous dire qu'il a dit beaucoup de vérité. Merci Val pour mon fils et pour les jeunes. Tous les jeunes et toute la jeunesse. Parce que croyez-moi, il y en a quand même qui se réveillent. Bravo, merci.